Richard Chouka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un cerf d'aigle ferait tant de chemin en quête de savoir. Bien dit. Bon, que fait-on maintenant? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseaux. Lorsque vous l'aurez découvert, dites « intramuros ». Je crois que c'est du latin. Ou du grec. Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école. À part le bain d'oiseaux, y a-t-il autre chose auquel je dois faire attention? Tout à fait. Il y a plusieurs repères. Un pont en pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Cela m'aide beaucoup. Merci. Il est surprenant et malheureux de voir à quel point ces souvenirs me reviennent. Oui. Vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseaux. Adieu. Au revoir. Je n'ai plus le choix. Je dois continuer. Voilà la cascade. Chouka n'est peut-être qu'un voleur, mais il a dit la vérité. Une atmosphère étrangement solennelle ici. Les cerfs sont si majestueux. Ça correspond à la description faite par Richard Chouka. Tu serais pas un peu loin de chez toi, hein? Ranrock savait que vous finiriez par nous mener à votre cachette. Une scène de... C'est gris. Vraiment. J'ai fini. Expelliarmus. Une scène de... Je vais manger ta mort. Action. Ces fidèles ne risquent plus de prévenir Ranrock maintenant. Voyons un peu ce que Chouka voulait me montrer. Je me demande à quel point c'est grand.
N'étaient pas les bienvenus ici. Je me demande si mes soeurs ont été à passer. Action! Expelliarmus! Incendio! Explosion! Protégo! Expelliarmus! Si j'attirais cette plateforme jusqu'à moi, je pourrais y grimper. C'est étrange. J'aurais cru que Richard Chouka se serait intéressé à ce butin, mais il n'y a aucune trace de lui. Action!
Je me réjouis que Richard Shuka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi. Mais où est-il ? Heureusement que Richard Shuka n'est pas tombé là-dedans. Action ! Pas de squelette sans tête en vue. Mais rien ne m'empêche de me servir ici. Un coffre intact ? Richard Shuka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. C'est étrange. J'aurais cru que Richard Shuka se serait intéressé à ce butin, mais il n'y a aucune trace de lui. Pas de squelette sans tête en vue. Mais rien ne m'empêche de me servir ici. Voilà le pont. Il est presque terminé. Coffre intact ? Richard Shuka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Action ! C'est étrange. J'aurais cru que Richard Shuka se serait intéressé à ce butin, mais il n'y a aucune trace de lui.
des araignées. Elles peuvent pourtant pas avoir décapité Richard Shuga. De squelette sans tête en vue, mais rien ne m'empêche de me servir ici. Je dois plus être très loin du corps de Richard Shuga et de ses pages. On se retrouve, Richard Shuga. Dommage, ces éclats de bois sont sûrement tout ce qu'il reste de la baguette d'Ollivander. Je peux emporter les pages au moins. La voilà, la carte qui a mené Shuga à sa perte. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de cette pièce? Revelio. Action. Incendio. Protego. Expelliarmus. Action. Incendio.
Bratz, dans la réserve de la bibliothèque. Revelio. Où suis-je? Oh non, la salle est en train d'être inondée. Qu'est-ce qui me protège? Quelle sorte de magie est-ce donc? Espérons que cette magie me protège jusqu'à ce que j'arrive à sortir d'ici. Quel est cet endroit? Serait-ce possible? C'est vous? La salle de la carte a enfin été découverte? Je vous ai déjà vu dans une pancine. Vous êtes le professeur Rackham? Tout à fait. Je dois avouer que je suis surpris de voir une si jeune personne me faire face. J'ai le même âge que vous aviez, Isidora Morganac et vous, quand vous êtes entrée à Poudlard. Vous avez bien suivi. Et j'imagine que nous partageons la même capacité. De voir des traces de magie ancienne? Oui, monsieur. Comme vous l'avez sans doute compris, notre capacité nous fait bénéficier d'une relation unique avec toutes les formes de magie. Nous avons accès à des formes de magie que peu d'autres peuvent utiliser. Des opportunités se présenteront à vous pour vous permettre de perfectionner ce rare talent. Ne les gâchez pas. C'est entendu, professeur. Merci. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais avant, vous avez trouvé cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre. Placez-le sur le piédestal. Je n'ai pas le livre sur moi, monsieur. Voilà qui est regrettable. J'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre. Très bien. Je vais aller chercher le livre tout de suite. Bien. Nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal. J'ai trouvé les pages et la salle de la carte. À quoi pourrait bien me servir ce livre? Je suis revenu à Poudlard? Je me demande quand reviendra le professeur Fig. Je lui ai promis de ne pas négliger mes études pendant son absence. J'imagine que j'ai de quoi m'occuper d'ici à ce qu'il revienne avec le livre.
Et voilà. Repulso, le sortilège d'expulsion. Il est très utile pour repousser des objets ou des adversaires. Accomplissez les tâches nécessaires et retrouvez-moi dans ma salle de classe. Réveillon. Un nouveau jeton pour le coffre de ma maison.